Bop-a-ti, bop-a-da, do-do-do-do-do-da. Il y a eu Shirley Temple, Ginger Rogers, Sidney Rome. Qui d'autre encore? Oh! Judy Garland. Merveilleux. Somewhere over the rainbow, I... etc. Formidable. Pourquoi pas moi? Oui, mais alors voilà, au départ, un gros obstacle. Maman. Maman n'a jamais voulu que je fasse au théâtre. Hein? Non, je ne sais pas pourquoi. Mystère. Je lui ai posé la question. Je lui dis, mais enfin, maman, regarde-moi dans les yeux. Qu'est-ce qui s'y oppose? Cite-moi une raison valable pour que je ne grimpe pas sur les planches. Elle m'a dit, ma pauvre pupus, je ne voudrais pas te faire de peine, mais t'as pas de diction. Alors là, j'ai pas insisté. Donc quand j'ai compris qu'elle voyait tout ça d'un mauvais oeil, je lui ai dit, mais te fâche pas, maman. Allez, bisous. C'est pas grave. C'est pas le théâtre, ce sera le cinéma. Non, au début, ça a été dur. Mais je me suis cramponnée. Non, il faut dire que quand j'arrive quelque part, j'accroche. J'accroche tout de suite. Tenez, l'autre jour, dans un couloir, en approchant d'un bureau de production où j'avais rendez-vous, j'ai entendu distinctement « Chut, taisez-vous, la voilà !» Preuve que j'accroche. Alors je me suis dit, première chose, les photos. C'est vrai, c'est très important, les photos, c'est quand même une carrière qui est basée sur le physique. Alors, j'ai un copain photographe avec qui j'avais fait des photos publicitaires dans les magazines. Vous savez, il y a toujours avant, après. Je faisais avant. Il m'a littéralement mitraillé avec son appareil devant un tas de poubelles pleines. Ah oui, moi aussi j'étais surprise par le choix du décor, mais il m'a dit ça fait rien, comme ça si les portraits sont loupés, ça me servira pour mon reportage sur la pollution. Il n'arrêtait pas de répéter, la France est polluée, la France est polluée, et nous sommes entourés de laideur. Oh, je t'écoute, ne me regarde pas comme ça, c'est pas de ma faute. Bref, mes photos sous le bras, me voilà partie à la chasse au contrat. Un jour... je passe la tête à la porte d'une production. Coucou! Bonjour, monsieur Buñuel. C'est moi. Vous me remettez. Quoi de neuf? Et je vois mon Buñuel. Médusé! Il me dit, mais c'est formidable. Mais c'est tout à fait ce que je cherche. Qu'est-ce que vous cherchez, monsieur Buñuel? Des gueules. Vous m'intéressez. Je vous confie le rôle de Goldiana dans mon prochain film. Et qui c'est Goldiana? Un monstre. Très attachant. Oh, ma joie. Arrive le premier jour de tournage, à 8 heures, j'étais maquillée, je posais mon rimmel. I feel pretty and happy and gay. Une forme. Mais alors un trac. Heureusement, dans la première scène, pas un mot à dire. Je devais simplement fendre une bûche en deux sur un bio avec une hache. Élémentaire. Voilà pas que mon partenaire, qui tenait le bio, me dit, cocotte, une question. Tu tapes ou tu regardes? Je lui dis oui. Il me dit alors, attends. Je me mets à la place de la bûche. Je me dis, c'est un malade. D'ailleurs, Buñuel a été très sévère avec lui. Il lui a dit, mais lâche ce bio, crétin, viens t'abriter, moteur, on tourne, action. Trop tard, j'avais déjà fondu le bio. Mon partenaire, blanc. Blanc de rage. Ah, c'est dur de communiquer. Quoique, tenez, vous êtes là, je vous parle, vous m'écoutez. Je vous donne le meilleur de moi-même. Et un public
quand on se donne complètement, eh bien, malgré lui, il finit par vous ressembler.